Je m'appelle Julien, je suis chef de projet chez Proxiad et je suis très content de vous parler de l'un de mes sujets préférés ce soir, la 3D sur le web. Je vais commencer le Proxy Monday par une question. Est-ce que vous aussi vous êtes un peu triste quand vous naviguez sur Internet? Parce que c'est un constat qu'on peut faire en fait. Imaginez, je suis sur Internet en train de lire un article. Alors vous imaginez facilement la scène, un site sur fond blanc, sans les pubs dans le fond, parce que j'ai Adblock. Je scrolle vers le bas, des images apparaissent qui illustrent le contenu. Il y a quasiment toujours une barre de navigation en haut du site. Bref, c'est un peu triste. Et c'est là que la 3D peut être intéressante. Une nouvelle dimension apporte énormément de possibilités, des modèles 3D, des matériaux, des textures, des effets de lumière, des animations, des particules, plein de choses. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Avec la 3D, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer pour créer un univers entier qui va matcher parfaitement avec le produit ou l'idée que vous voulez promouvoir, que vous voulez vendre. Que ce soit la page entièrement animée ou juste un composant 3D, la 3D peut s'intégrer partout et de façon super facile. Donc c'est donc de tout ça dont on va parler ce soir, pourquoi et comment intégrer de la 3D dans un site web. Alors on va parler de 3D en quatre points qui vont être de plus en plus techniques au fur et à mesure de la présentation. D'abord, je vais vous parler un peu d'histoire, quelles ont été les étapes majeures de l'intégration de la 3D sur le web et comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. En deuxième partie, on parlera du pourquoi, à travers plein d'exemples que j'ai récupérés à droite à gauche parmi mon surf sur Internet, si on peut encore utiliser cette expression en 2020. Et pour plein d'usages, ça va être assez visuel. En troisième partie, je vous montrerai les différentes manières d'intégrer de la 3D sur un site web. Quelles sont les solutions possibles aujourd'hui pour ajouter un composant 3D dans un site web? Il y a plusieurs solutions, avec chacune leurs avantages et inconvénients, et je vais essayer de décrire tout ça au mieux. Enfin, dernière partie, et pour vous prouver que c'est vraiment simple d'intégrer de la 3D dans un site web, on va faire une petite démo. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, je garde un peu de suspense. On va commencer avec un peu d'histoire et on va parler de l'évolution de la 3D sur le web. Alors, le premier vrai succès de la 3D sur le web, c'est ce qu'on appelle le VRML. VRML, ça veut dire Virtual Reality Modeling Language. En beau français, ça veut dire langage de modeleur de réalité virtuelle. Donc, c'est tout un programme. Bon, quand on voit l'utilisation qu'on en faisait, ça reste un peu moins plaisant. Donc là, on est en 96-97. On a le navigateur Netscape qui est un peu moins de 90% de part de marché sur Internet. On a un petit nouveau qui est en train de démarrer qui s'appelle IE, Internet Explorer. Et on a Ophélie Winter qui entre au top 50 avec Dieu m'a donné la foi. Donc voilà, 96-97. Le VRML est déjà très populaire depuis 2 ans, à tel point qu'il est la référence pour créer des mondes complets en 3D sur Internet. Alors le VRML, c'est un langage à Basile, un peu à balise, pardon, un peu comme le HTML, qui permet de décrire via une syntaxe particulière des objets 3D, des lumières, des textures. Donc voici un exemple. Là, on décrit une lumière, une caméra et un objet, une sorte de bille un peu ellipsoïde avec une translation et un scaling, un agrandissement. Il faut installer un plugin particulier pour installer sur son navigateur. Et voilà, donc vous installez le plugin, vous écrivez du code VRML et vous le faites tourner dans votre navigateur préféré. Le plugin, à l'époque, était maintenu par une société qui s'appelait SGI. Alors pour la petite histoire, SGI a été vendu, la division 3D n'a pas été gardée, et on a deux éditeurs qui ont profité de ce creux dans le marché pour s'installer. On a eu Microsoft avec une API qui s'appelait l'API Chrome. Je sais, c'est deux noms qui n'ont pas l'habitude d'être côte à côte, mais c'était le cas à l'époque. Et on a Adobe avec Adobe Atmosphere. Alors les deux n'ont pas fait long feu. Et le grand consortium à l'époque qui régissait les standards, celui qui avait validé le VRML en tant que standard, a commencé à réfléchir à son successeur, le X3D. Globalement, c'était un peu la même chose, mais basé sur XML. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le VRML, c'est un format ouvert, donc il a été très largement utilisé, surtout dans le domaine de l'éducation, par exemple. Bon, il n'a jamais été. Hop, alors, j'avance un peu. Il a jamais été très populaire, mais on a quelques sociétés qui ont récupéré le langage et qui l'ont amélioré via des plugins propriétaires pour avoir des choses un peu plus jolies, un peu plus qualitatives. Comme là, c'est un vieux jeu qui était sur un navigateur qui s'appelait Lille, qui racontait l'histoire de la ville de Lille en France dans un monde un peu post-apocalyptique. C'est un jeu qui a terminé, qui a eu sa fin de vie en 2010. Après, on a eu le Shockwave. Alors, un peu avant le début du VRML, on a une société qui s'appelle Macromind, qui développe un moteur d'animation qui s'appelle Director, pour le premier Apple Macintosh.
On ne peut pas faire grand-chose à l'époque. On peut faire à peine apparaître des carrés noirs et blancs. Mais Macromine développe son propre langage de développement qui s'appelle le Lingo. En 92, Macromine devient Macromedia et ils se rendent compte qu'Internet est en train de devenir de plus en plus populaire. Donc, ils décident de développer une plateforme multimédia pour le navigateur le plus populaire à l'époque qui s'appelle Netscape. Pour ça, ils reprennent Director et en 95, ils développent un moteur multimédia qui s'appellera Shockwave avec son player, le Shockwave Player. En 96, on a Macromedia qui rachète Flash et à l'époque, Macromedia, il gère deux des plus gros moteurs multimédia de l'époque. Donc, on a Flash et Shockwave et le troisième, c'est Java, je vais en parler juste après. Donc, vous avez déjà tout joué à un jeu sur Internet, sur des sites comme Miniclip ou Kongregate, où on vous demandait d'installer le plugin Flash et ou Shockwave. Souvent, on installait les deux parce qu'on ne savait pas lequel était lequel. Mais c'était vraiment deux langages différents pour coder des environnements 3D différents. Alors, OK, il faut attendre 2001 pour avoir un moteur 3D dans Flash, et on a vraiment Flash qui concurrence Shockwave à l'époque. Alors, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Flash avait 99% de pénétration de marché. Shockwave était à 40%. Flash était codé en ActionScript, Shockwave en Lingo. Et ActionScript était réputé plus simple et plus complet. Donc, petit à petit, Shockwave a perdu un peu en utilisation. En 2019, on a la version 12 qui est sortie de Shockwave et abandonnée avec l'arrêt des plugins sur les navigateurs. Donc, par exemple, Shockwave, on faisait des choses comme ça. Donc là, c'est un jeu où on joue une maison, on est dans une maison hantée, en fait. Donc c'est quand même assez qualitatif. Là, on est en 2010, par exemple. En 95, on a la première version d'un de nos langages préférés, qui est créé par Sun, qui s'appelle le Java. Avec cette version, on a l'introduction d'un concept qui est le concept d'applet, qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont connu les applets. C'était du code qui permet d'exécuter, un environnement qui permet d'exécuter du code sur un navigateur avec une JVM embarquée. On se sert de la puissance de Java pour écrire une fois et faire tourner partout, même sur un navigateur web. À différence du JavaScript, les applets Java ont accès à l'accélération matérielle. Donc, ils ont accès à la carte graphique de l'ordinateur sur laquelle ils tournent. Donc, on a la possibilité d'exécuter des environnements 3D. En 98, Sun projette de créer un environnement graphique entièrement en 3D qui s'appelle 3D Looking Glass. Et au fil du développement, en fait, ils se rendent compte que ça va être assez peu utilisé. Ils gardent la base et ils en ressortent une API bas niveau qui s'appelle Java 3D. En 2003, on a le développement qui est arrêté. Et les applets Java, aujourd'hui, n'existent plus. Donc voilà, ça a été supprimé en 2019 avec Java 11. Donc, il y a eu quand même plusieurs initiatives de création de moteurs 3D en Java. Je vais en citer un que j'ai un peu utilisé, qui s'appelle JMonkey Engine. Mais là, on sort un peu du cadre parce qu'on n'est plus sur le web. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Silverlight? Je suis sûr que oui. Je passe rapidement, mais il faut quand même le noter. Silverlight, c'est un framework qui a été créé par Microsoft en 2007, pour concurrencer Flash. À l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Flash est le grand leader pour afficher du contenu multimédia 2D, 3D. Il faut attendre la V5 de Silverlight pour avoir un moteur 3D natif intégré au framework. Comme les autres, comme Java, VRML ou Shockwave, Silverlight a besoin d'un plugin pour s'exécuter dans un navigateur. Et il n'a jamais été très populaire, Silverlight, mais il existe toujours. Et il est supporté aujourd'hui par un seul navigateur qui s'appelle IE11. Et comme vous le savez, le 12 octobre 2021 de cette année, le support IE11 va s'arrêter et avec lui va mourir tranquillement Silverlight. En 2005, on a une petite révolution qui sort dans le domaine du jeu vidéo et donc de la 3D. Il s'appelle Unity. Unity Technology, c'est une petite boîte danoise qui rêve de faire du jeu vidéo. Ils sortent un jeu vidéo en 2004 qui s'appelle Gooball. Alors personne n'a entendu parler, ça a été un échec complet d'un point de vue commercial. Par contre, l'équipe de développement se rend compte que les outils qu'ils ont développés pour le jeu sont vraiment sympas et faciles à utiliser. Et ils décident de repackager tout ça et d'en sortir un moteur de création 3D. Et ce moteur s'appelle Unity. Aujourd'hui, Unity Technology, c'est le leader du marché mondial dans la création de jeux vidéo. Et ils pèsent à peu près 14 milliards de dollars. Ils sont cotés en bourse.
Donc voilà, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Mais ça a vraiment bien marché. Ils n'ont pas réussi à faire des jeux vidéo, mais ils ont réussi à faire un truc qui marche. Donc c'est plutôt bien. Alors pourquoi c'est une révolution? Eh bien parce que Unity, en fait, c'est un moteur de jeu multiplateforme qui permet de créer des applications 2D et 3D avec un export web sous forme d'environnement complet et de façon très simple. On a les modèles 3D sur la gauche, on a les lumières, les textures. Tout fonctionne par drag and drop et on peut scripter en C Sharp et en JavaScript, deux langages qui sont très populaires. Donc c'est assez facile à prendre en main et assez facile à maîtriser. La première version d'Unity est sortie avec un player web. C'est un plugin qu'il fallait installer sur un navigateur. Et en 2015, on a maintenant un export qui s'appelle l'export WebGL. Je vais en parler juste après. Et on peut exporter en HTML5 le jeu qu'on a créé dans Unity, dans l'environnement de développement Unity. Alors aujourd'hui, c'est une des méthodes les plus utilisées pour faire de la 3D sur le web. En 2004, chez Apple, on a quelqu'un qui crée une nouvelle balise HTML qui s'appelle le Canva. Et à l'époque, c'est juste une zone de dessin qui est programmable en JavaScript où on peut faire de la 2D, donc on peut griffonner, etc. Et en 2006, on a un Américain d'origine serbe qui s'appelle Vladimir Vukcevic, dont le nom est un peu imprononçable, mais il récupère cette balise Canva et il va essayer d'associer un contexte OpenGL, donc 3D, à cet élément Canva, et il se rend compte que c'est assez facile à faire et que c'est très puissant. Et du coup, il décide de le sortir et il l'appelle Canva 3D. Alors, ce monsieur Vladimir, il bosse chez Mozilla, et en 2008, 2 ans après, Mozilla et Opera ont chacun une implémentation de Canva 3D. Un an après, l'idée est présentée devant le Chronos Group, qui est un consortium, une participation des différents majors de l'IT, donc Apple, Google, Mozilla, Microsoft, etc., etc., qui essayent de faire avancer de nouvelles idées sur le web et de standardiser des choses qui peuvent avoir un intérêt pour les différents navigateurs. En 2009, l'idée est présentée devant ce consortium et elle est validée en 2011 avec un nouveau standard qu'on appelle le WebGL. Alors le WebGL, c'est... Je vais en parler tout à l'heure, pour l'instant je ne vous dis pas. Pour la petite histoire, Vladimir bosse maintenant chez Unity Tech. Voilà. Et pour finir sur le WebGL, c'est le standard aujourd'hui pour afficher de la 3D sur le web et c'est supporté par tous les navigateurs. Alors, ça fonctionne sur OpenGL, sur un sous-ensemble d'OpenGL. Donc, on n'a pas toutes les fonctionnalités. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient voulu cibler tous les navigateurs et tous les appareils. Donc, vraiment cibler en mobile first. Donc, ils sont basés sur une version d'OpenGL avec un sous-ensemble de ces versions, des fonctions OpenGL. C'est une API qui est assez bas niveau. Donc, on a beaucoup de moteurs 3D qui sont développés par-dessus. Je vais en parler juste après. C'est cross-platform, c'est cross-device, on peut tout faire avec le WebGL. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant que le WebGL? Eh bien, on a le WebGPU. Le WebGPU, pardon, c'est le nom du futur standard qui va remplacer le WebGL et qui est déjà en train de le faire, en fait, à son petit niveau. Au contraire de WebGL, ce n'est pas le portage d'une API existante qui est utilisée sur les mobiles, c'est la réécriture complète d'une API 3D qui s'appuie sur les concepts existants qui ont été faits par le WebGL, mais qui réinvente un peu, qui réinvente la roue. Pourquoi? C'est pour avoir plus de puissance, pour permettre d'utiliser mieux les composants machines sur lesquels va tourner le code 3D, donc le CPU, le processeur et la carte graphique. Et c'est en train d'être déployé. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi en fait afficher de la 3D sur le web? Et bien en fait, il y a plein de raisons. Ça peut être de la visualisation de données, que ce soit en temps réel ou non. Ça peut être des jeux, ça peut être de l'affichage et de l'interaction avec des objets, ça peut être pour faire des configurateurs 3D, ça peut être pour faire une expérience numérique quand on a une agence marketing qui veut vendre un produit et vraiment marquer l'utilisateur. Ça peut être pour de la réalité augmentée, la réalité mixte. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisations de la 3D sur le web. Alors on va voir que c'est surtout le WebGL qui est utilisé, mais Unity 3D peut avoir aussi son intérêt. On va en reparler juste après. Dans cette partie, ça va être assez visuel. J'ai pris les cas d'utilisation en fait les plus qu'on utilise, pourquoi on utilise le WebGL le plus souvent sur le web via quelques exemples concrets. En première partie, la visualisation de données en temps réel. Alors, des fois, ça peut être intéressant de comprendre des données
Surtout quand elles sont présentées dans un tableau Excel qui est assez morne, assez triste, comme je disais tout à l'heure, ben là on peut les représenter en 3D de façon un peu plus visuelle. Là par exemple, c'est un site qui présente les ventes d'armes des différents pays. Alors, c'est des données qui sont ouvertes, hein, que le développeur a récupérées pour les mapper sur un globe en fonction des années. Et on voit tout de suite que bah, les États-Unis, c'est le plus gros marchand d'armes du monde. Bah, là, on le voit clairement en fait via la 3D. Pourquoi le WebGL? Parce que c'est une manière portable et facile d'utilisation pour présenter les données. Il y a plusieurs choses à laquelle faire attention au WebGL. Il ne faut pas oublier qu'on est sur les navigateurs, sur la machine, pardon, de l'utilisateur, sur le navigateur de l'utilisateur, et donc on va utiliser sa puissance de calcul. Du coup, il faut éviter de faire des calculs trop complexes. Dans cet exemple-là, on présente les variations de température en fonction des années, et on voit tout de suite que bah, les années 2000-2004, c'est les années les plus chaudes qui ont été depuis les années 80. Un site que vous connaissez tous, qui est GitHub. GitHub, vous allez sur la page d'accueil, vous avez un globe en 3D avec des rayons qui sont tracés d'un point à un autre. En fait, ça présente les différentes pull requests qui sont faites en temps réel sur le site. Alors, ça ne présente pas tout, évidemment, ça en montre quelques-unes, mais quand vous cliquez sur un rayon, vous êtes redirigé vers la pull request en question. Je trouvais ça intéressant de le signaler quand même, parce que je trouve ça plutôt joli. Un dernier exemple sur GitHub, vous avez un sous-domaine qui s'appelle skyline.github.com. Vous avez la possibilité d'exporter bah, sous forme de graphique les différents commits que vous avez faits pendant une année. Et après, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'exporter. C'est assez sympa. Donc tout ça, ça illustre le fait bah, qu'on peut utiliser la 3D pour faire de la visualisation de données. C'est assez simple à prendre en main, c'est assez simple à installer. Pourquoi utiliser la 3D sur le web? Bah, pour faire des jeux. Les gens adorent les jeux. Moi, j'adore les jeux. J'adore jouer. Vous savez que la grande époque du Flash, c'est maintenant terminée depuis plusieurs mois maintenant. Et on est en plein dans la grande époque du WebGL. Et quoi de mieux que de jouer sur un navigateur sans avoir à installer quoi que ce soit? Là, par exemple, c'est un jeu qui s'appelle Keep Out, que j'ai trouvé super, super beau en fait. C'est une des démos qui est sur le site de 3JS. Je vais en parler juste après. Mais là, en fait, voilà, j'ai lancé mon navigateur, vous accédez à l'URL et vous pouvez jouer directement au jeu et faire des micro-transactions si vous le souhaitez. Le WebGL peut être utilisé pour faire des jeux de façon ludique et peut aussi être utilisé pour faire des serious games, faire des jeux avec un message que vous voulez faire passer, que ce soit sur n'importe quel domaine d'ailleurs. Un deuxième jeu que je trouvais intéressant de montrer parce qu'il est vraiment super beau. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Wipeout qui était sorti sur console il y a quelques années maintenant. Bah en fait, c'est des fous furieux qui ont récupéré le concept et qui ont fait un jeu de course sur navigateur qui est vraiment magnifique. Alors, je ne suis pas un très bon conducteur, hein, je me suis pris pas mal de murs. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de le montrer et de voir des graphismes qui sont quand même plutôt qualitatifs. Et là, on est vraiment dans un navigateur. J'ai rien installé sur mon poste et j'ai juste accès à l'URL et j'ai lancé le jeu. Dernier exemple de jeu. Alors, c'est un jeu un peu plus graphique. Pourquoi je veux le montrer celui-là? Pour vous expliquer qu'on peut faire des jeux un peu plus narratifs, un peu plus centrés sur le message à faire passer. Bon, voilà, c'est un jeu qui est quand même très beau. Qui a été fait que 3JS, celui-là. Voilà, il est vraiment sympa. Les contrôles sont assez simples à prendre en main. Et c'est vraiment chouette. Alors, troisième utilisation pour la 3D sur le web, c'est pour créer une expérience numérique. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui essayent de faire passer des messages via la technologie en créant des expériences immersives pour les utilisateurs. Alors, elles n'ont pas forcément un but particulier, ça peut être pour faire passer un message, ça peut être pour laisser un impact sur l'utilisateur, sur le consommateur. Si votre but c'est l'engagement et l'expérience utilisateur, alors la 3D a un intérêt. Ce site-là, par exemple, c'est un site qui présente du maïs génétiquement modifié, comment ils l'ont fait et quel est leur process en fait.
Ce site-là, bah, ça reprend les différentes étapes d'atterrissage ou d'amarcissage, je sais pas si ça se dit, du rover en 2020. Toute la scène est contrôlable à la souris et on peut aller voir le rover sous tous les angles. On peut détailler le process étape par étape, seconde par seconde, zoomer, dézoomer, et je trouve ça vraiment chouette. Autre exemple, c'est Canon, cette fois, qui a décidé de promouvoir une sorte de réseau social qu'ils avaient fait à l'époque pour leur appareil photo. Et ils ont pris un globe terrestre et présenté les différentes photos. Alors, ça va un peu vite, je vais mettre en pause. Les différentes photos qui ont été faites par les utilisateurs du réseau social, présentées de manière interactive. Un dernier exemple, un peu plus récent, celui-là, c'est sur la ville de Marseille. On va avoir plusieurs aménagements dans la ville de Marseille en 2021. Et la ville a voulu le présenter en 3D avec une modélisation entièrement en 3D de la ville avec différents points d'intérêt sur lesquels on va venir se zoomer et rentrer dans le point d'intérêt. On peut avoir des vidéos interactives. Enfin, voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir un effet waouh qui marque l'utilisateur. Autre exemple de l'utilisation de la 3D, ça peut être pour de la présentation d'objets. C'est assez naturellement utilisé pour présenter un produit. On peut tourner autour, on peut le voir sous tous les angles, on peut même animer certaines fonctionnalités. C'est assez vendeur et on sait que dès que l'utilisateur manipule le produit, il va avoir un intérêt et il va être plus à même de le vendre. Le premier exemple, c'était seulement le rover de la NASA qui a été présenté juste à un but de communication. Ce deuxième exemple, c'est un vélo qui est un peu innovant, qui a un concept de dynamo en fait dans les roues et de frein hydraulique. Et en fait, le site est entièrement basé sur la manipulation du vélo et les différentes parties qui sont visualisables en 3D. On peut essayer de voler le vélo. Voilà, on peut pas mal s'amuser. Un site de présentation de grands crus de vins alsaciens. Donc là, c'est vraiment présentation d'objets et marquer les esprits, en fait, tout simplement. Dernier exemple, c'est un configurateur de couteau, où là, on peut venir zoomer, choisir le modèle qui nous intéresse et passer directement dans le panier juste après. Une des utilisations les plus répandues de la 3D sur le web, ça vient en continuité de ce que j'ai montré avant, c'est la partie configuration 3D. Ici, on prend les avantages de la présentation d'objets, on rajoute l'interactivité. Ça permet de personnaliser un produit en fonction des souhaits de l'utilisateur, ça permet d'interagir en temps réel, on peut sélectionner les options, voir le produit changer, même si le produit n'est pas encore produit. Voilà, ça a vraiment un intérêt, je trouve. Donc celui-là, vous le connaissez tous, c'est la configuration de cuisine IKEA. Magnifique configurateur. Alors, j'ai regardé un peu le code. Ça a été fait dans un moteur 3D maison. Alors, IKEA, ils ont recréé leur modèle 3D entier. Je trouvais ça plutôt fort. Donc, on configure sa cuisine et on est redirigé vers le devis directement. Celui-là, c'est un site suisse qui permet de configurer des armoires. Donc là, on peut choisir le nombre d'étages que l'on veut, la couleur. On peut choisir des casiers et derrière, ça nous affiche un prix et on va pouvoir acheter le modèle qu'on a choisi directement. Ici, il y a un site allemand où on peut configurer son casque de moto et avoir un rendu en temps réel dans le navigateur avec le prix qui se met à jour en fonction des utilisations des actions de l'utilisateur. Et un dernier configurateur, alors celui-là, je crois qu'il a été fait avec Unity 3D. C'est un configurateur de meubles où on peut. J'ai été un peu vite sur le dernier, mais ici, on va venir configurer les meubles et changer la texture et avoir un rendu un peu qualitatif des meubles que l'on voit. Un dernier, c'est la configuration de rouge à lèvres. Alors, c'est un produit qui est tout simple, mais on va pouvoir tourner autour du produit, le visualiser sous tous les angles, pour essayer de faire plus de ventes, en fait. Il y a plein d'autres usages de la 3D sur le web. On peut illustrer les articles, on peut faire des visites guidées, on peut faire des documentaires, on peut faire de la promotion de films, on peut faire de la promotion de produits, on peut faire vraiment plein de choses.
J'ai trouvé en fait en cherchant des exemples sur Internet deux CV. Alors le premier, il m'a été envoyé par un collègue de proxy à Lille, qui s'appelle Anthony, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs. Mais voilà, c'est un CV qui a été fait avec 3JS, une bibliothèque 3D. Et c'est vraiment un portfolio qui est vraiment magnifique. Là en fait, vous ne le voyez pas, mais c'est moi qui dirige la voiture en temps réel sur le portfolio. Et je peux ouvrir les projets que le développeur a fait et aller voir ses compétences, voir son CV. Et je trouvais ça vraiment, vraiment très sympa. C'est très créatif, c'est très bien fait. Donc j'imagine qu'on envoie ça à un recruteur, ça marque les esprits en fait. Deuxième exemple de CV, alors là c'est un développeur et directeur artistique, donc le site est vraiment très beau. La partie WebGL, c'est juste sur la partie l'écran d'accueil. On a la sphère ici qui s'ouvre et qui se ferme dès qu'on rentre dans une catégorie. C'est super beau en fait, hein. Et dernier exemple de CV qui a été fait par un Français. Donc, qui est développeur créatif, donc lui son but c'est de créer des expériences 3D marquantes et il a fait ça sous Blender et avec Babylon.js, je crois. Donc voilà, c'était intéressant de le noter. On peut mettre de la 3D un petit peu, beaucoup, c'est vraiment comme vous voulez en fait. Et dernier exemple qui était d'actualité, c'est un article du New York Times qui date de fin mars 2021, donc qui est vraiment tout récent, qui explique pourquoi aérer les écoles, c'est vraiment utile en temps de pandémie. Et en fait, tout l'article est illustré avec une scène 3D, et on va voir les différents flux d'air à partir de quelqu'un qui est infecté, si on a un recycleur d'air, enfin voilà, si on a des choses qui sont mises en place, on va voir la différence sur les flux. Donc là, ça se manipule en scrollant. En fait, j'ai été ma souris en mode ascenseur. L'ascenseur descendait tout doucement. Et on voyait la scène 3D. Donc ça permet, en fait, tout simplement d'illustrer l'article et de mieux expliquer, de mieux comprendre pourquoi c'est important d'aérer les espaces quand on est en pandémie. Voilà pour les exemples. Alors, il y en a plein d'autres. J'aurais pu passer le proxy Monday entier à vous montrer les exemples et des démos. Mais on va passer à la partie de comment on fait. Alors, il y a plusieurs façons d'intégrer de la 3D sur le web. On va en voir trois aujourd'hui, qui sont les trois les plus répandues. On va détailler chacune avec les avantages et les inconvénients, enfin, de façon assez rapide quand même. La première façon, c'est le WebGL pur. Qui est l'utilisation de l'API qui a été créée par Monsieur Vladimir, entre autres. Une deuxième façon, c'est les moteurs 3D qui sont basés sur cette API WebGL, donc qui nous simplifient la vie un peu en tant que développeur, un peu beaucoup d'ailleurs. Et une troisième façon, c'est les moteurs multiplateformes comme Unity 3D, mais il y en a d'autres. On va détailler tout ça. La première façon, c'est le WebGL. Alors le WebGL, c'est une API bas niveau qui est assez proche d'OpenGL, donc c'est codé un peu comme du C en fait. Mais il faut tout détailler. Il faut détailler tous les types d'objets, les modèles 3D, donc qui sont un ensemble de points dans l'espace qu'on appelle des vertices de texture et de normal. Donc il faut détailler vraiment chaque point du modèle 3D. Il faut détailler les caméras qui sont un ensemble de matrices de transformation. Il faut détailler les shaders qui est la façon d'appliquer les données, les couleurs aux pixels. Alors globalement, ça se passe comme ça. On a nos données 3D, qui sont un ensemble de points, en fait, tout simplement, un ensemble de positions dans l'espace. On va les passer dans ce qu'on appelle un vertex shader qui va transformer ces positions en des points dans l'espace. On va le passer ensuite dans un fragment shader qui va nous donner la couleur de chaque pixel pour un objet donné. Et ça nous donne une image. Alors, comme ça paraît super simple, mais je vais vous montrer un exemple de code WebGL. Donc là, c'est le code source du vertex shader. Donc en fait, on voit que c'est de la multiplication de matrices. Très simple. Le fragment shader qui est la couleur, ici, on met du blanc. Donc c'est du 1 à 1, on va mettre du blanc partout. Donc, très simple. Ça, c'est l'initialisation du programme des shaders. Donc c'est récupérer le code source des shaders que j'ai créé juste avant et l'intégrer dans l'API WebGL. Donc là, on n'a encore rien dessiné, rien codé.
Ici, je vais prendre une position. Donc là, on a quatre positions pour dessiner un carré. On associe tout ça dans les shaders et on va avoir un carré blanc sur fond noir. Alors, c'est très sympa. Je suis persuadé qu'il y en a qui adorent faire du WebGL comme ça pour tout optimiser. Mais ce n'est pas la façon la plus pratique d'écrire, d'intégrer la 3D sur le web. Une deuxième façon un peu plus facile, ça va être d'utiliser des moteurs WebGL donc qui récupèrent, en fait, qui permettent d'abstraire pour le développeur toute la difficulté qu'on a vue avant. Et on va remplacer tout le code qu'on a vu avant par une ligne qui est draw square, par exemple, en lui passant la couleur en paramètre. Alors, des moteurs 3D en WebGL, il y en a beaucoup. Là, c'est un extrait de l'article Wikipédia sur les moteurs 3D WebGL qui est très bien fait. Il y en a beaucoup, ils ont chacun leur spécialité. Il y en a qui sont propriétaires, il y en a qui sont open source, d'autres gratuits, d'autres avec abonnement. Enfin, il y a un peu de tout. Je vais en détailler deux ce soir. Ça va être les plus connus. On va parler de 3JS et de mon préféré qui s'appelle BabylonJS. Mais globalement, en fait, tous les moteurs se résument à ça. On a une page HTML avec un canevas qu'on va venir réutiliser pour utiliser le code 3D. Et on a un script JavaScript qui va nous permettre de programmer justement toute la partie 3D et d'appeler le moteur 3D. Alors, le premier, c'est le plus connu, c'est le leader sur le marché, il s'appelle 3JS. C'est une bibliothèque qui est en WebGL, donc qui est basée sur l'élément Canva. Elle est gratuite, elle est open source. Il y a 70 000 stars sur GitHub, il y a plus de 1400 contributeurs. C'est un monstre dans le monde de la 3D sur le web. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Ricardo Cabello, qui est portugais, qui s'appelle Mr. Doob sur Internet, qui depuis a été embauché par Google, et Google se sert de ce moteur, 3JS, pour faire pour promouvoir en fait certains projets qui va utiliser sur Internet. Le projet reste quand même open source et il appartient toujours à Ricardo Cabello. Alors, à l'époque, il avait commencé à coder ça en ActionScript. Il a été porté en JavaScript en 2010. Et depuis, en fait, ça a été un des leaders sur le marché de la 3D sur le web parce que ça a été un des premiers et il a une excellente communauté derrière lui. Donc, si vous allez sur la page web de 3JS, vous allez voir un menu à gauche où on a la documentation de quelques exemples et on a énormément, énormément de démos et d'utilisations qui ont été faites du moteur. C'est une librairie, donc il n'y a pas de format imposé pour faire votre application. Vous utilisez les classes que vous voulez, quand vous le voulez. C'est une sorte de boîte à outils, en fait, une boîte de boîte à outils 3D. Un deuxième moteur 3D, qui est mon préféré, qui s'appelle BabylonJS. Alors, BabylonJS, c'est un moteur qui a été créé en 2013. Par deux employés de Microsoft sur leur temps libre, donc qui s'appellent David Catu et David Rousset. Alors David Catu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est extraordinairement doué pour faire des moteurs 3D. Il a commencé à faire des moteurs 3D sous DOS. Voilà, imaginez un peu la difficulté de la chose. Et il a créé Babylon à l'époque en C#. Il a basculé en JavaScript, donc ça a fait BabylonJS. Puis là, il a traduit, si je puis dire, en TypeScript pour la version actuelle. Et ça restera en TypeScript pour un bon moment encore, je pense. Alors, BabylonJS, par rapport aux 70 000 stars sur GitHub de 3JS, là, on est à 14 000, donc c'est relativement modeste. 350 contributeurs, un peu plus, je crois. C'est un moteur qui est gratuit open source et sous licence Apache 2 par rapport à la licence MIT de 3JS. Alors, pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est un moteur qui est axé sur la simplicité. Son mantra, c'est le KISS. KISS pour Keep It Simple, Stupid. C'est un mantra qui est assez connu dans le monde des développeurs. Le but, c'est d'avoir le plus de choses qu'on puisse faire en un minimum de lignes. Donc, que tout soit simple pour le développeur. Donc, en gros, c'est un moteur qui est simple à maîtriser, simple à utiliser, mais compliqué à maîtriser. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment pouvoir aller dans le détail du code, modifier directement les shaders, que ce soit du vertex, du fragment, enfin un peu toutes les composantes du moteur 3D, vous allez pouvoir les modifier et vous adapter le moteur en fonction de vos besoins. À la base, ça a été un moteur qui a été pensé pour le jeu, donc pour faire des jeux en WebGL, mais ça peut être utilisé sur plein d'autres utilisations, comme j'ai montré juste avant. Alors pour la petite histoire, David Catu travaille toujours, enfin les deux David d'ailleurs travaillent toujours chez Microsoft, ils travaillent chez Microsoft Corp aux États-Unis, à Seattle.
Et il a monté une équipe là-bas de 12 personnes qui travaillent à temps plein sur le moteur. Le moteur reste et restera toujours open source et entièrement gratuit. Il appartient à David Catu, il appartient pas à Microsoft. Mais pourquoi? En fait, c'est la même raison que pour Google. C'est qu'on a des groupes, des équipes chez Microsoft qui vont se servir du moteur pour promouvoir des projets ici et là. Microsoft a un site web d'ailleurs qui s'appelle Remix, qui présente un peu des modèles 3D de la même manière que Sketchfab. Et Remix est fait entièrement avec Babylon.js. Une troisième façon de faire le travail sur le web, c'est Unity Engine. Alors, Unity, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moteur de jeu qui est multiplateforme. Donc, vous allez pouvoir développer sur Windows, sur Mac, via un environnement complet, faire des environnements 3D, des jeux, des scènes 3D, et pouvoir les exporter sur n'importe quel type de support, sur Android, sur iOS, sur PC, sur Mac, sur PlayStation, sur la plupart des consoles. Le moteur a une base gratuite, mais globalement, c'est un moteur qui est propriétaire et qui reste payant. Si votre scène 3D, vous la faites dans le milieu professionnel et que vous avez plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, vous allez devoir payer une licence Unity. Alors, c'est un environnement de développement complet. Comme je vous montrais tout à l'heure, vous avez la scène 3D au milieu, vous avez la vue de ce que va rendre la scène 3D directement, donc la vue game, ce qu'on appelle la vue jeu, de ce que va rendre votre scène 3D dans votre appareil, dans votre device cible. Vous avez l'ensemble des modèles 3D à gauche, vous avez l'ensemble des différents paramètres des objets que vous pouvez modifier. Tout est fait en drag and drop, en cliquer déplacer, de façon assez simple. Après, derrière, vous allez pouvoir créer des scripts en C# ou en JavaScript, pour pouvoir créer des interactions ou animer des éléments. Unity, c'est le leader aujourd'hui dans la création de jeux vidéo. C'est un moteur qui est beaucoup utilisé. Il est également aussi beaucoup utilisé pour faire de la réalité virtuelle, donc faire des scènes et des environnements 3D sur des casques de réalité virtuelle, par exemple. Donc, c'est impossible de lister l'ensemble des projets qui ont été faits avec Unity. Il y en a plein. Mais voilà, globalement, ça reste un environnement complet sur lequel vous allez venir faire un export. Alors pourquoi c'est un peu moins utilisé sur le web que Babylon et 3JS? En fait, tout simplement, Unity va vous allez exporter l'ensemble de votre scène 3D. Et avec la scène 3D, vous allez exporter une page HTML et une iframe. Dans cette iframe, vous allez avoir votre scène 3D qui va fonctionner en vase clos. Et c'est assez compliqué, c'est pas impossible, mais c'est assez compliqué, en tout cas, ce n'est pas fait pour ça, d'interagir avec des éléments qui sont sur la page web et les éléments 3D. Alors que 3JS et Babylon.js, vous allez faire ça de façon native. Vous pouvez intégrer ça dans une application Angular, React, Vue, peu importe. Unity, ça reste assez cloisonné. Vous avez le monde 3D qui tourne dans une iframe et vous avez la page HTML qui est derrière. Un deuxième moteur multiplateforme qui est assez peu connu mais qui commence à prendre de l'ampleur, c'est un moteur qui s'appelle Godot, Godot Engine. Il est multiplateforme, il ressemble beaucoup à Unity dans la présentation. Donc vous avez la scène 3D au milieu, l'arborescence de fichiers 3D de votre scène 3D sur la gauche et les différents paramètres des objets 3D sur lesquels vous cliquez sur la droite. À la différence d'Unity, il est gratuit, open source, et il est libre. C'est un moteur qui est écrit en C et C++. Vous allez pouvoir scripter derrière en C#, en Visual Script et en GDScript, donc qui sont deux langages de script qui ont été inventés par l'équipe de Godot Engine. Et à l'époque, il n'y avait pas le but, c'est pas de faire de l'export pour le web, c'était de faire des exports comme le faisait Unity sur téléphone, tablette, PC. En 2016, vous avez Mozilla qui a offert 20 000 dollars, donc une certaine somme, à un ensemble, à plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, pour promouvoir les technologies du web et pour intégrer des WebSockets, du WebGL, du WebAssembly dans les différents projets des entreprises concernées. Donc Godot a relevé le défi et ils ont intégré en 2016 le support du WebGL. Donc aujourd'hui, on peut exporter en WebGL. On a un environnement de développement complet, comme je disais tout à l'heure, et on peut cliquer sur un bouton pour créer une page web. Alors,
Les différences entre les moteurs, je vous l'ai déjà montré, enfin j'en ai déjà parlé juste avant. Babylon et Esri sont optimisés pour le web, ils sont gratuits open source. C'est assez facile d'intégrer ces moteurs-là dans une page web et on peut scripter en langage web, donc JavaScript, TypeScript et autres. Unity et Godot sont plus optimisés pour les jeux. On va avoir un peu plus de difficultés et de complexité à intégrer dans une page web. Par contre, à déployer sur mobile et à faire des applications natives, c'est assez simple et on peut créer de façon assez simple en drag and drop. Il me reste quelques minutes pour faire une démo, donc ça va être parfait. Et pour faire la démo, je vais vous présenter un petit gobelin que j'ai appelé Grub. Et en fait, on va se servir de ce modèle 3D pour l'intégrer dans une page web. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran normalement, oui. Toc, Je confirme, on revient ton écran. Je viens. parfait. Donc là, j'ai une application Angular que j'ai initiée par Nginew. Donc tout simplement, elle est lancée. Pour l'instant, je n'ai rien, si ce n'est un élément Canva ici. Toc. Donc dans ma page web, dans mon composant, j'ai un wrapper qui permet de mettre 100% en hauteur et en largeur. Et j'ai mon Canva que je vais réutiliser dans mon composant ici. Donc j'utilise Babylon.js. J'ai à l'initiation de mon composant, je vais créer la scène 3D qui va prendre en paramètre le canevas et je vais créer la scène. Alors, pour créer une scène, il me faut récupérer l'élément canevas, l'élément natif, il faut un moteur et il faut une scène. En Babylon, ça se fait en trois lignes simplement. Je fais du copier-coller pour aller plus vite, hein. Je triche un peu, mais vous aurez le résultat normalement. Donc, je crée un moteur 3D qui va prendre en paramètre le canevas, je vais créer une scène qui va prendre en paramètre le moteur 3D. Et j'ai une fonction magique avec Babylon qui va permettre de créer un environnement par défaut. Donc il va me créer une lumière, il va me créer une skybox, un environnement standard, on va dire. Je sauvegarde, je rafraîchis, et là, j'ai rien du tout. C'est tout à fait normal, parce que, en fait, un canevas, ça n'affiche qu'une seule image. Si je veux dire à mon application d'afficher un environnement 3D, il faut que j'affiche 60 images par seconde, le fameux 60 FPS dont on entend beaucoup parler dans les consoles en ce moment. Donc pour ça, il faut que je dise à mon moteur 3D d'avoir une render loop, une boucle de rendu, qui va dire en fait, 60 fois par seconde, tu vas m'exécuter ce code-là, qui est pris en paramètre de ma fonction, et je lui demande juste de me rendre la scène 3D. Donc là, pour l'instant, j'ai rien. Mais j'ai quelque chose qui s'affiche. J'ai mon environnement par défaut. Dans la console, je vois que je n'ai pas de caméra définie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer une caméra. Ma caméra, je vais créer ce qu'on appelle une arc rotate caméra qui va nous permettre de tourner autour d'un point de pivot. Les différents paramètres, c'est l'angle de rotation de la caméra, la distance à laquelle je suis et mon point de pivot. Je passe en paramètre la scène et j'attache les contrôles, ce qui va permettre de tourner autour du point avec ma souris. Je sauvegarde, je réaffiche, j'ai toujours rien. Mais par contre, on voit que je peux tourner autour et on voit que mon environnement par défaut tourne un peu. Ensuite, j'ai mon modèle 3D qui est ici, qui est Grob, ici, qui est au format GLB, qui est le format 3D standard du web. Je vais demander à Babylon de le récupérer. Donc pour ça, je vais créer un asset manager, donc qui permet de charger mes modèles 3D, mes textures, mes images, etc. Je vais lui dire d'aller me récupérer mon modèle Grob qui est dans le dossier asset. Et une fois que je l'aurai chargé, je sais, alors j'ai fait la démo avant, hein, pour pas vous mentir, et j'ai vu que le modèle 3D était tout petit. Donc en fait, je vais récupérer tous les meshs, tous les modèles 3D de l'objet que j'ai chargé. Je vais les attacher à un nœud parent et je vais les augmenter, je vais faire une multiplication de taille de 75. Donc je vais les agrandir 75 fois. Je sauvegarde, hop, et là j'ai toujours rien. C'est normal, j'ai pas dit à mon asset manager de se lancer. Donc là, toc, je sauvegarde et normalement si ça ne se trompe pas, j'ai mon loader qui apparaît et j'ai mon grob qui apparaît. Donc là je peux tourner autour et il est content, il danse. Voilà, donc là, en fait, allez, une trentaine de lignes de TypeScript, je peux intégrer un modèle 3D dans une page web via un élément Canva.
Et après, libre à moi de créer un composant Angular ou React ou peu importe, ou même un bouton en HTML tout simple, qui va me permettre de changer le casque ou la couleur du gobelin ou de rajouter un environnement 3D, etc. etc. Voilà. J'espère que cette petite démo et cette présentation vous a plu. En tout cas, Grob est content. Voilà, écoutez, maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. Eh bien, merci à toi, Julien. J'allais dire, maintenant, c'est travaux pratiques pour tout le monde. Vous avez 5 minutes pour faire un Grob qui danse comme on a sur Julien. Là. Bon, est-ce que si tout le monde avait des questions, n'hésitez pas à réactiver vos micros. Hein, vous pouvez désormais réactiver votre micro. Merci, Julien. Bon, la 3D, tu étais déjà venu sur Lille hein, nous faire une démo, une formation. Donc, oui, c'est plus ciblé sur Babylon.js, par contre. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Merci, Julien. Merci à tous. De rien, merci à tous.